Shalom, 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 shalom. J'ai où en tout mon vêtement? C'est mon designer qui a fait ça. Un designer qui est parfait. Bon, regardez. I love it. J'aime beaucoup. I love it. Et c'est vraiment, vraiment au sol, quoi. J'aime beaucoup. C'est super. Je trouve. Depuis que j'ai porté ça, je me sens. I feel like a princess. Like a queen. Merci. Montrez-moi aussi vos habits. Aujourd'hui, je vais dire plein de choses. Comme d'habitude, vous en tirerez ce que vous pensez. Je m'appelle la mémé. Ok. Je reçois l'inspiration du Saint-Esprit, que la grâce me soit donnée, je la reçois, pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous montrer ce que vous ne voyez pas. Pour ouvrir votre esprit. Ok. On va voir comment ils vont diriger le direct aujourd'hui. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, il y a beaucoup de personnes ici, là. Vous êtes légèrement insensibles à l'Esprit de Dieu. Quand on parle, vous ne comprenez pas. L'Esprit vous montre déjà ce que vous devez faire. L'Esprit vous donne déjà les instructions. Parfois, il y a des endroits où vous ne devez pas être. Mais vous forcez, vous restez là-bas. Ça vous bloque. Il y a des... J'espère que vous m'entendez, parce que souvent les téléphones, c'est là, le volume dérange dessus. Pourquoi tu restes sans que je dois quitter de la maison si je dois déménager? Je dois aller dans un autre quartier. Et ça vient avec le méconfort. Il y a même des endroits, il y a des... J'ai remarqué que... J'ai une patiente là. Merci Yann Clark. Bonjour Reine SN. J'ai une patiente, elle voyage beaucoup. Donc, quand elle et son mari sont dans un certain pays, ça ne donne pas. Leur relation, ils se séparent toutes les fois qu'ils sont dans ce pays-là. Merci Jean-Marie. Donc, il y a des pays même qui ne sont pas bien pour votre épanouissement spirituel. Il y a des pays où c'est comme s'il y a... moi, quand je suis au Cameroun, je stresse énormément. Quand vous me regardez, vous pouvez savoir si je suis dans tel pays ou pas. Donc, on vous parle depuis quelques temps. Vous savez exactement. Maintenant, le problème que vous posez, c'est le problème d'argent. Il y a des choses qu'on t'a montré à faire. Même si ça va te coûter... financièrement. Bon, je vais vous raconter cette histoire que mon ami m'a racontée ce matin. Il y a des maisons qui ne sont pas conductrices pour vous. Tu es avec ton gars, il veut aller vivre dans un certain endroit. Quand tu es là-bas, ça te suce ton énergie. It sucks the life out of you. Ça te suce la vie. Tu lui dis, viens, on part, il ne veut pas. Tu entres dans la maison, tu sens comment ton corps réagit. Quand tu voyages, tu te sens bien. Donc, il m'a aussi expliqué quoi. Il m'a dit, il avait bossé, il a fréquenté à Douala. Donc, il a fait ses études dans une université italienne, je crois, à Douala.
Quand il a terminé, il a commencé à chercher le travail. Un jour donc, il se dit, ok, il faut que j'aille faire un tour au village. Il prend un sac à dos, il met deux, trois trucs dedans, il laisse sa chambre avec toutes les affaires. Il part. Donc depuis qu'on parlait de mon histoire, là, tu n'avais pas encore écouté mon histoire. Quoi. Je ne sais pas pourquoi mon histoire touche les gens maintenant. J'ai raconté mon histoire, ça fait 5 ans. It's been 5 years. I don't know why it's just now that people are... Donc, il arrive au village, il passe le temps qu'il devait passer. Quand il veut rentrer, il rêve dans la nuit, il voit les accidents sur la route. Il reste. 2 jours plus tard, il voit encore les accidents. Il reste. De fil en aiguille, il a fait 5 ans au village. Finalement, il s'est installé au village et c'est là qu'il a développé son don pour soigner les gens. Quand je rentrais au pays, mon histoire que vous avez écoutée, c'était 3 semaines avant que je rentre au pays. Non, 2 mois avant que je rentre au pays. Je crois que je l'ai raconté en fin mars. J'ai fait avril, mai, et c'est en juin que je suis allé au pays. Quand je rentre au pays, je prends mes affaires pour venir faire 2 mois maximum au Cameroun. 2 mois. Et en arrivant au pays, je n'avais même pas d'argent parce que je venais d'ouvrir un compte au Crédit Agricole. Et je ne sais même pas si j'avais retiré l'argent du compte là finalement. Je crois que j'avais donné ma carte à quelqu'un. Il est arrivé en France, il l'a activée. Je ne sais même plus. Mais je sais que cette carte devait être activée dans une machine banque contact, like une cash machine. Elle devait être activée par un automatique de Crédit Agricole. Et au Cameroun, il n'y en avait pas. Donc, j'ouvre le compte, je mets les sous dedans, je voyage, j'arrive en Éthiopie, on avait fait escale. Je pars pour retirer l'argent, je me rends compte que je ne peux pas avoir accès à l'argent. Donc j'arrive au Cameroun, je n'ai pas 1 euro sur moi, il n'y a pas 1000 francs sur moi. Et j'avais déjà envoyé, je crois que j'avais envoyé 100 000 à une de mes filles. Et j'avais à payer 10 jours du meublé. Comme ça, j'arrive, je fais 2 jours dans le meublé, l'esprit me dit, loue là l'appartement qui est en bas. Je dis, mais attends, j'ai bien payé fait 2 mois, pourquoi je dois m'engager pour louer un truc? Mais voilà, je dis, si 2 jours plus tard, je demande au bailleur, il me dit, ok, tu peux payer en 2 fois. Donc j'ai payé, c'était 1 million, je vais lui donner 1 million 4. J'ai avancé 700 000. Je suis entré. Et je devais payer l'autre 700 000 dans un mois. C'est 10 mois de loyer. Au Cameroun, on ne paye pas 2 mois de loyer. C'est toujours 6, non pas 6, 8 ou 10 mois que tu payes. Il y en a qui demandent même 12 mois et 2 mois de caution. Donc, je ne sais pas comment on s'en sort au Cameroun. Quand tu vois le salaire moyen, si quelqu'un touche 100 000 le mois, il va faire comment pour louer un endroit de... Anyway, continuons seulement. On s'en sort comme ça. Donc, je paye l'endroit. Je me rappelle la première nuit que j'ai passée, j'ai dormi au sol. Le premier objectif, c'était d'acheter le matelas, d'acheter la cuisinière après. Le frigo au Cameroun, 180 000. J'ai payé le frigo. Après 3 mois, il fallait que je retourne en France. Je veux partir. La nuit, là, je rêve. On me dit, reste. Je dis, mais je reste au Cameroun. Que je reste au Cameroun, fais quoi? Je dis, si. Oui, je suis en train de chercher un local à Kinshasa. On m'a dit ça. Que je dois donner 10 mois de caution. Donc, si je trouve un endroit de 250 dollars, je dois donner 2500 dollars. Vraiment, l'Afrique est... Ciao. Continuons seulement. Donc, c'est pour ça que le système gabonais, c'est bien, c'est comme le système français. Ici au Gabon, 1 mois de caution, 1 mois de loyer, tu entres. Donc tu peux facilement louer une maison de 500 000, ça ne te dérange pas trop. Tu donnes seulement 1 million, tu entres. Ok.
Donc, moi, voilà, je reste au Cameroun. Je parle de 2019. Je reste au Cameroun. Un mois plus tard, je me dis, il faut que je rentre. Je décide maintenant que je vais rentrer. Je commence à faire mes plans. Les finances sont bloquées. Plus d'argent. Si ça bug, tapotez, s'il vous plaît. Plus d'argent. Je fais peut-être deux ou trois jours de jeûne. Au bout de ce jeûne, le Seigneur me dit, ne pars pas. Dès que j'accepte que je ne pars pas, l'argent revient. Donc voilà comment Dieu m'a guidé jusqu'à ce que je suis resté au Cameroun. 2019, 2020, 2021. Le corona commence en 2020. Fin 2020, je tombe dans une dépression. Et en 2021, je commence la spiritualité africaine. Parce qu'il fallait que je reste ici pour pouvoir être connecté aux ancêtres. Ça bug toujours. Ça bug. Sylvie, bonjour. Facebook, m'entendez bien? Je bois du thé au thym. Du thé au thym. C'est une idée que j'ai eue ce matin. Donc, j'ai mis du thym frais dans mon thé. C'est super bon. Donc, en 2021, j'ai rencontré un monsieur qui a commencé, qui a commencé à m'enseigner sur les pouvoirs, sur la réincarnation, sur... Si tu as rêvé que je t'ai donné des bracelets, il faut acheter certains de mes outils que je vends. Je vends les objets spirituels. Physiquement, on s'est vu une fois. On est resté en contact pendant 4 mois qu'il m'enseignait. Il parlait aux astres. Il se lève sur le matin et dit que cette nuit on a voyagé. Et dans la forme sous laquelle on était. Vous rêvez souvent que vous êtes des animaux, n'est-ce pas? Vous ne rêvez pas à cause des animaux. Plus vous êtes conscient, plus les gens vont venir vous dire. Beaucoup d'entre vous, vous voyagez dans les rêves. Et les agents de lumière, vous partez guérir les gens. Vous vous baladez. Vous faites ce qu'on appelle dream walk. Vous entrez dans le rêve d'autres personnes. Vous devez remarquer les périodes où... Parce que les agents de lumière sont comme... Je ne veux pas savoir des serpents dont tu as rêvé. Si ce qu'elle dit ne te correspond pas, ne réponds pas, s'il te plaît. Ok, Karine? Je ne suis pas là pour interpréter vos rêves. Vous savez que vous ne devez pas raconter vos rêves à n'importe qui. Donc, les agents de lumière,
Il y a ceux qui sont censés être au-devant. Il y a ceux qui sont censés être derrière, en backup. Les backups, ce sont parfois les intercesseurs. Les backups, ce sont ceux-là. Vous allez voir quelqu'un comme moi, vous allez prier pour elle. Vous allez lui envoyer de la bonne énergie. Ne serait-ce que votre pensée va se concentrer vers la personne. De la même façon que vos pensées positives aident, il y a aussi les gens avec le mauvais œil qui font l'opposé. Les gens qui sont en backup sont ceux-là qui vont parfois participer financièrement à certaines causes. Qui n'ont pas besoin de te dire ce qu'ils font pour toi. Tu dis de s'accrocher. Étoile sacrée, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je te bloque d'abord. Voilà. On ne s'accroche pas à Dieu. Dieu est en nous. Tu ne peux pas t'accrocher à quelqu'un qui est dans toi. Ceux qui sont devant, et je dis encore, ce n'est pas tout le monde. Le monde entier, les réseaux sociaux vous ont fait croire que c'est tout le monde qui est censé être au devant. Ceux qui sont derrière sont plus importants que ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant souffrent énormément. Ce sont ceux qui sont, qui portent ou qui reçoivent le plus de balles. Donc quand vous dites que vous voulez être devant là, assurez-vous d'avoir le cœur pour supporter. On va attaquer ton mariage. On va attaquer tes enfants. On va attaquer tes finances. Tu peux perdre un enfant, perdre ton mari, perdre ta femme. Ceux qui sont au devant sont des personnes qui ont développé la capacité de ne pas s'attacher à quelque chose. Ainsi pour la casquette. Ceux qui sont devant doivent même être, ils sont très contrôlés par les esprits. Si ton mari ou ta femme ne te comprend pas, on m'a dit que tu es fou, tu es folle. Ceux qui sont devant, ils prennent beaucoup sur eux. Parfois vous portez, toutes les personnes sur qui je travaille, vous me suivez là. Quand tu dis que tu m'as vu dans ton rêve, mes paroles viennent comme une énergie pour te sortir du trou. Et ça va dans les deux sens. Comme ça sort de moi, ça va chez toi. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous me voyez souvent dans vos rêves. Parce que ce que je dis, c'est comme des paroles, c'est comme des flèches qui viennent vous libérer. Quand tu es celui qui libère, le garde prisonnier va vouloir t'attaquer. Que tu la libères pourquoi? Il y en a parmi vous, vous intercédez beaucoup pour votre famille. C'est tout vous qui êtes là, rassemblez là le conseil de famille. Non, arrêtez de faire les problèmes dans la famille. Arrêtez. Vous devez être prêt à prendre beaucoup sur vous. Parce que les sorciers de votre famille vont vouloir vous attaquer. Les sorciers de votre famille vont vouloir vous attaquer. N'essaye pas de t'expliquer à quelqu'un. Parce que toi-même, tu ne peux pas te comprendre.
Il y en a parmi vous, vous avez même 50, même 1000 qui vous contrôlent. Quand vous parlez en journée comme ça, quand vous couchez, vous dormez, c'est comme ça que maintenant le sommeil vous aide. Je veux aider les gens. Vous voulez bien. Si tu n'as pas les codes, tu vas lire l'heure. Parfois, je me demande comment les arnaqueurs la font. Quand vous arnaquez les gens, vous venez comment? Vous prenez mon image pour aller arnaquer. Je ne sais pas. C'est trop de malédictions que vous prenez. Beaucoup. Quelqu'un prie sur un agent. Il dit que ça me sauve. Ouais, ouais. Il envoie, tu prends, tu peux manger. Chai. Même celui qui est Wang là, ça ne le laisse pas quand il reçoit l'argent de quelqu'un. C'est pour ça que ce n'est pas toutes les offrandes que je prends. Même pour travailler sur les gens, quand tu envoies ton argent, tu fais un peu un jardin, je te rembourse ton argent. Bah, pour partir de ta sorcellerie. Parce que parfois, en venant à moi, vous-même, vous connaissez, vous êtes parti mettre votre main. Vous savez que celui qui pense que je suis une anaqueuse, hein, va faire le demi de ce que je fais. Non, fais le 1/10 un peu, on verra. Être au devant. Ça veut dire que tu viens pour ouvrir les prisons. Jésus l'a dit. Bonjour Rose. Betty, merci. Luc chapitre 4. Vous êtes pressé que j'ai ça qu'on m'a appelé. Je veux. Faites très attention à ce que vous désirez. Luc 4, verset 18 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire que par ta parole, tu sauves d'abord les gens de la pauvreté. Et le diable aime que les gens soient dans la pauvreté. Le diable aime quand les gens sont dans la pauvreté. Bonjour Sylviane, comment tu vas? Ah, elle ne va pas bien. Oh, il ne va pas bien. Ah, elle n'a pas les papiers. Oh, oulala. Tu vois une famille comme ça, là, tous les petits-fils chôment. Tous, personne n'a fini un diplôme. C'est ça qu'il aime. Il m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi, tu te lèves, tu dis que tu veux consoler les gens qui pleurent. Le diable se nourrit des douleurs. Il aime quand une mère s'assoit, on se dit, ouais, on va manger quoi? Ouais. On n'a pas l'argent pour payer l'hôpital. Car, je n'ai pas l'argent. Igor là, on va faire comment? Il aime ça. Toi, tu viens. Tu donnes des messages pour consoler les gens. Tu donnes des messages pour calmer les gens. Tu viens, tu te mets au devant. Tu apaises. Et c'est vous qui simplifiez une âme. Jésus a dit qu'il laisserait 99 personnes pour aller chercher une personne. C'est parce que dans le spirituel, un ou un million, c'est la même chose. Parfois, vous voulez faire le bien à une personne, comme ça, les gars. Moi, si ce n'est pas 50 personnes, je n'aide pas. Oh. Le spirituel n'est pas comme le physique. Bonjour. Tu
T'arrives comme ça, tu salues quelqu'un. Oh, t'es jolie ce matin. Oh. Elle avait une douleur depuis 3 jours. Ça quitte soudainement. Elle dit, oh, merci. Vous vous simplifiez trop. Vous vous simplifiez énormément. I look so good. Je sors d'un combat. Chaque fois qu'on me voit, je brille. L'autre jour, je parle à une de mes patiente et elle me dit, j'ai affiché sur mon statut seulement depuis 2 jours. Comment je vais bien, je dors dans les bons hôtels. Les combats nocturnes que j'ai, je ne comprends pas. Que les stars là font comment? Les stars font comment pour montrer leur vie tous les jours? J'ai affiché depuis 2 jours que j'ai un peu mis en ligne comment je suis en train de charger mon conteneur. Les gens voient les voitures dedans. Je ne dors plus. Bonjour, Scorpius des Antilles. Bonjour, Tilapia. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Les stars ont les entités qui les protègent. Betty, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais comme le directeur, ce n'est pas pour te montrer que je ne suis pas d'accord avec toi. Vous aimez trop vous séparer des stars. Vous ne savez pas que dans votre quartier, vous êtes déjà star. La grâce de Allah. Bonne fête. Mashallah. Lila, bonjour. Seulement le fait d'ouvrir ta bouche. Les captifs sont délivrés par la parole. Belle Camerounaise, merci. Et si le fait de m'écouter, ça vous fait sortir de certaines prisons mentales dans lesquelles vous étiez? Bonjour de la France. Jean-Robert, bonjour. Allez, dites-moi un peu d'où vous m'écoutez. Les gens de Bonabère est là, bonjour. Libreville, bonjour. Abidjan, bonjour. Bonne fête au papa. La France. Maryland. That's nice. Monsieur le Roi Soleil. Tu es à Libreville. Ludvine. Abidjan est dans la place. Côte d'Ivoire, Guyane française, Badfoss, Allemagne, Congo, Québec, oui, RDC, je serai en RDC bientôt encore. Je vais revenir à Kinshasa. Merci, Kwakwandi. Maroc, Turquie, Canada. Merci, Adina Couture. La Réunion. Angola. Côte d'Ivoire. Nanga. Et Boko. Wow. Portugal. Maroc. Belgique. Guadeloupe. Paris. Brazzaville. Dubaï. Libreville.
Tu es à Cotonou, tu es dans quelle ville du Bénin? Rwanda, Fumba, Libreville, RDC. À RDC, tu es où? Lubumbashi ou bien King? Québec. Merci, King Love. Cocotomé. Kinshasa. Je vous envoie plein de lumière et d'amour. Angleterre. Are you in London? Au Birmingham, Côte d'Ivoire. Dorcas, oui, Côte d'Ivoire. Merci Doudou, bon dimanche aussi. Manchester. I don't know the accent. I would have done it for you. A bit of Brummie. London, I don't like, so I couldn't try that one. Gabon. Maroc, Canada, Colwesi, RDC, Maroc, oui, Germany, merci Latifa, France, Togo, Gabon, ok. Que votre présence dans vos villes illumine cette ville, pointe noire. Je me connecte à vous et nous répandons la lumière. Nous venons contre les accidents dans vos villes. Nous venons sécher les larmes des personnes qui sont en train de pleurer. Nous déclarons ceux qui n'ont pas à manger qu'ils trouvent à manger aujourd'hui. Nous repoussons les ténèbres dans vos villes. Oui, j'ai de nouveaux médaillons que j'ai. Ceux qui viennent dans les kits, là, on va les changer. J'ai de nouveaux médaillons de meilleure qualité. Donc, on les mettra. Il y a aussi les chiennes. Si vous voulez ça, quand vous commandez le kit, vous en demandez. Exactement comme ce que je porte au cou, là. Il y en a un peu plus gros. Oui. Nous repoussons les ténèbres. Si deux personnes s'accordent, tout ce qu'ils vont demander va leur être donné ou accordé. Merci pour le tapotage. Les agents de lumière, soit ceux qui sont devant ou ceux qui sont derrière, vous ne devez pas simplifier l'impact que vous avez. Peut-être c'est ton quartier. Quand tu sors, on aime bien te voir. Sortir quelqu'un de captivité, ne serait-ce qu'en lui disant qui il est. La parole déjà libère. Est-ce possible de tomber amoureuse? Pour tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un comme moi, il faut avoir le cardio. Vous savez c'est quoi le cardio? Qui connaît c'est quoi le cardio? Quelqu'un a écrit le souffle. Dexter. Il faut avoir le cœur. Si tu n'as pas les côtes, n'essaye pas. Il y a beaucoup de personnalités dans moi. Donc, la femme que tu aimes peut apparaître une fois par semaine. Mathilde, il dit le défibrillateur. Quand tu dis ça, je vois un peu là. Il faut qu'on le réanime tout le temps. Il faut avoir beaucoup de patience.
de compréhension. Un coup elle t'insulte, un coup elle veut plus être avec toi, un coup elle souhaite pas, un coup elle te bloque, un coup elle fait. La seule chose qu'on n'est pas, c'est qu'on n'est pas infidèle. Mais on est tout ce qui, tout autre chose sauf infidèle. Parce qu'il y a cette loyauté, là, genre, si je me suis engagé avec toi, je suis avec toi. Mais tout le reste, on est. Everything else, we are. Everything else. Elle va t'insulter où? Elle va dans tout. Donc, si tu es genre le gars que tu as un tempérament trop fort, là, il ne faut pas sortir avec une femme comme ça. Il ne faut pas. Elle n'en fait qu'à sa tête. Ah oui. Elle a une puissance pour pousser la. Quand elle veut faire quelque chose, bouh, elle va faire ça. Tu dis même non, elle se lève dans la nuit. C'est même pas elle qui fait. Tu la trouves le matin qu'elle a fait. Oh là là. Il faut aussi savoir s'éclipser pour qu'elle brille. Voilà. Un coup, tu parles avec notre fille dehors. Elle est à la maison, elle voit. Oui. Elle rêve, même on lui montre. Qu'il te trompe. Il parle avec quelqu'un à la période aussi. Tu pars, tu fous le téléphone, tu vois. Il faut être quelqu'un que tu ne vas pas mentir à la femme là. Oublie. Parce que tu lui manques là, tes affaires vont être bloquées. Oui. Parlons d'abord des côtés un peu dérangeants, mais le bon côté arrive, ok? Le bon côté arrive. Elle va paraître têtue. Je vais mélanger bon côté, mauvais côté. Ce genre de femme est le genre de femme qui te pousse aussi. Elle te pousse à vouloir mieux. Elle peut t'humilier si tu ne fais pas attention. Dans le sens où, tu vois, les hommes aiment quand je suis devant mes amis, je parle, elle fait ce que je dis. Elle n'est pas le genre là. Elle a une personnalité trop imposante. Et les personnes comme moi n'aiment pas trop tout ce qui est romantique là. Oh les je t'aime. Oh tu es... Ah. Pas trop le romantisme. Les fleurs, souvent, ça les touche. Si le fleur vient le jour où c'est la femme là qui est dans son corps, les fleurs là, oui. Si c'est le jour où la femme là est là, elle va dire, oh, parce qu'il y a une femme romantique dedans. Mais là, vous avez regardé le film Glass, avec le gars qui avait plusieurs personnalités. J'ai trop aimé le film là, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me suis reconnue. Un jour, c'est la bête qui est là. Quand c'est la bête, hein? Ah! Après, c'est le tout petit garçon. Oh! Madame Patricia, elle va se fâcher. Ça, c'est ça. Like, that is us. That is us. Cherchez Glass sur Netflix. C'est même effrayant quand j'ai vu ce film-là. C'était like, you know. Après, c'est le gars intellectuel qui se lève. Allez, oui, on doit faire ça. Mais pourquoi tu veux l'avoir? That's us. Ce film-là me décrit. Et quand tu es avec ce genre de femme, elle te pousse. Et si tu es un homme qui ne veut pas avancer, tu n'es pas prêt à avancer. Tu vas penser qu'elle en fait trop, mais pourquoi tu... J'en ai déjà confortable, pourquoi tu veux encore, pourquoi? Et c'est aussi une femme qui porte chance énormément. Elle est dans son puits. Il y a le bonheur comme il y a le malheur. Elle est dans ta vie, tu vas avancer. Tant que ton cœur est clair avec elle. Tant que ton cœur est clair avec elle. Que ce soit en tant que meilleur ami ou bien copain. Mais le jour où tu commences à vouloir faire Salam alaikum. Malaikum salam. Malaikum salam. Seulement ces intentions. Donc,
ses intentions vont te détruire. Like, ce n'est pas comme si elle te souhaite du mal, mais la douleur qu'elle va ressentir. Ce n'est pas un signe astrologique, c'est les femmes. Les femmes avaient des dons spirituels, on va dire. Donc là, ça n'a pas de signe astrologique. Surtout celles qui ont accepté leur appel et qui sont déjà dans leur appel. C'est difficile. Oui. C'est des personnes aussi qui peuvent renaître de n'importe quel problème ou de n'importe quel centre. N'importe. Bonjour Mariama, comment tu vas? Elles peuvent renaître de n'importe quel. Donc, elle chute, elle perd tout. Tu reviens la voir 6 mois plus tard, elle est en train de monter. Tu te donnes que, mais attends un peu. Est-ce qu'on t'a mis à terre ici, là? Son esprit ne meurt pas. C'est comme si elle se régénère en une vie. Elle peut avoir même 4 régénérations en une vie, ou même 10, si nécessaire. Merci beaucoup. Toi qui m'aimes par l'amour d'Allah. Que je suis en train de dire tout sur nous. Hein. ça permet à d'autres de se comprendre. Parce que celles qui ne connaissent pas encore ce qu'elles sont, on va beaucoup les léser, même dans leur famille. On va les mettre à part. On va leur dire, ouais, tu ne peux pas jamais te marier si tu continues de te comporter comme ça. Qui va vouloir de toi? Ce sont les femmes aussi qui ont la puissance d'un homme. C'est comme s'il y a des, je les appelle peut-être des chefs ou des anges ou des guides. Parfois, il y a des anges hommes que pendant une période, ils opèrent à travers toi. Très autoritaire. Très autoritaire. Un peu de vie autoritaire, après change encore. Donc c'est une personne difficile à cerner en fait. Je crois que les blancs appelaient ça bipolaire, je ne sais pas. Mais très autoritaire. Oui. Quand elle veut quelque chose, ça doit. Il est en train de rire. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas, mon chéri? Ça fait longtemps. Elles ont toujours un sens de mission. Tu avais un gars, il te dit, n'aide pas, tu donnes trop aux gens. Même en cachette, elle va donner. Même en cachette, elle va donner. Il y en a qui ont perdu des relations parce qu'elles ne pouvaient pas s'empêcher de faire du bien. Je sais que vous, ça paraît bizarre. Ah, comment est-ce que quelqu'un peut t'empêcher de faire du bien? Oui, oui. Tu peux avoir une femme qui ne veut pas que tu aides ta famille ou que tu aides les gens dehors. Tu peux avoir un homme qui ne veut pas. Parce qu'il pense que si tu donnes aux gens, ça va finir. Ce qu'ils pouvaient prendre de toi va finir. Et ce sont les personnes qui ont compris. Elle ne va pas te dire qu'elle a dans son compte 100 000 euros en une fois. Mais elle peut dépasser 100 000 euros en un mois. Je sais pas ce qu'elle peut dire. Aujourd'hui, elle se lève, on dit dépense 2 000 euros. Elle a 2 500 euros dans son compte. Elle sort 2 000 euros. Elle donne. Avant que je ne me comprenne. Avant que je ne me comprenne et que je m'aime comme je suis. Hé! Hey! Tel homme vient, quand tu le frustres, il commence à t'insulter seulement ta personnalité de femme. Quand j'ai compris que je ne suis pas née pour me marier seulement, genre, c'est pas le but de ma vie. That's not my life mission. Ma mission de vie, c'est pas de me marier. Hein? Tu veux que je t'épouse, arrête ça. Tu veux que j'ai même quel genre de femme. Parce que ton objectif pour toi, c'est vraiment de construire l'immeuble. Pour moi, je veux construire l'immeuble pour les orphelins. C'est différent.
Oui. Donc, quand j'ai reçu, c'est une offrande ou c'est ce que tu as envoyé, c'est pourquoi? Je vois l'argent qui est arrivé dans le compte là. Vous devez comprendre ce que vous portez. Et quand tu es dans ton élément, tu sens comment ton corps s'aligne. This is no joke. Ça fait même peur souvent. Quand tu n'as pas atteint la chose là, je me suis levée ce matin. Je savais qu'il devait porter quelque chose. Ça là, ça reste généralement ici au Gabon. Et le monsieur, j'ai un de mes collaborateurs qui vit dans l'autre résidence là-bas. Donc, le matin, je dis qu'il faut que je porte ça. J'ai cherché. Dans mon esprit, il est parti là tout chercher. Je ne sais pas là où il a trouvé dans mes affaires. Il est seulement venu me donner. Quand tu vois quelque chose dans ton esprit que tu dois avoir, tant que tu n'as pas ça, ton corps n'est pas vraiment là. Quand tu commences à t'activer, il y a les outils, ça c'est des outils en fait, c'est des outils. Il y a les outils que tant que tu n'as pas. Et si tu tombes sur un truc, tu vois, on te dit qu'achète ça. Même si c'est 5 000 euros. Donc en fait, pour toi, l'argent n'est qu'un vaisseau, un canal pour obtenir ce que tu dois avoir pour ta mission. Donc tu peux pas dire que tu es pauvre, tu peux pas dire que tu es riche. Quand il faut faire quelque chose, il me donne l'argent pour faire. En quelque sorte, c'est une personne qui est mariée aux esprits. Je l'ai dit. N'ayez pas peur. Vous avez suivi. J'ai un mari de nuit. Si tu as des couches, couches de nuit mariées, c'est différent. Couches de nuit, c'est peut-être tu as ouvert un portail. Soit tu sors avec un homme qui regarde la pornographie, soit toi-même tu regardes la pornographie, soit tu te masturbes, ça c'est les portails sales. C'est pour ça que vous devez purifier votre vaisseau d'abord. Pour laisser l'esprit couler. Maintenant, être marié aux esprits, c'est différent. Parce que c'est celui à qui tu es marié qui te contrôle. 100% des cas, les personnes qui ont les maris de nuit, votre esprit n'est pas pur, n'est pas clair. Il y a toujours un truc louche quelque part. Oui. Je vous dis cash. Parfois, il y a des choses ancestrales qu'on t'a passées, mais tu t'es pas séparé de ça. Le négatif, bien sûr. Voilà. Donc, ce genre de personne, on va dire en quelque sorte que tu es marié aux esprits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui te commandes. Quand ils vous parlent comme ça, ils sentent comment mon corps, c'est même pas moi qui suis en train de parler. Ils sont en train de parler actuellement. Tu ne peux pas rester avec la personne 24 sur 24, 7 sur 7 dans une même maison. Ceux qui ont des maris et tout ça. C'est pour ça qu'il y a des périodes où vous vous sentez vidé. Parce que ils ont toujours besoin d'un espace pour être avec toi. Et quand je dis mari, enlevez l'aspect sexuel sur ça. Quand je disais, ok, ça veut dire comme si tu es commandé par eux. Je ne sais pas comment faire. Enfin, les concernés comprennent. Je n'ai pas besoin de trop insister là-dessus. C'est des choses que ça va seulement vous éclaircir, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a des périodes où tu n'aimes même pas faire l'amour. Et c'est la période là qu'il vient maintenant te charger. C'est pour ça que je comprends les parents comme à l'époque là, ils avaient souvent chambres séparées. La nuit est très importante quand tu commences à découvrir ta spiritualité. La nuit, c'est la clé, c'est it's the key. C'est pendant ce temps qu'on te recharge. Qu'on te parle,
On te met les idées auxquelles tu n'as pas pensé depuis où tu as oublié. On te donne les instructions. On te guérit aussi. Il y en a parmi vous, vous êtes guéris pendant que vous dormez. Et on a besoin. Il y a quelqu'un ici, tu m'écoutes, tu dois déménager depuis longtemps. Le quartier ou le coin où tu vis, ce n'est pas bon, tu le sais. Ça bloque le flot d'énergie. Les gens qui vivent en face des bars, même si ton mari aime l'endroit là n'importe comment, c'est ta vie qui en dépend, chérie. It's a matter of life. Beaucoup de personnes voient souvent, ils ont dit, ils meurent ou ils ont des maladies bizarres. C'est parce qu'ils ne s'écoutent pas. They're not listening. Et ce n'est pas qu'on ne te parle pas. Donc, tu as un travail. Je t'avais dit ça à Abidjan. Tu as un travail. Tu es comme quelqu'un qui est bientôt, tu as des contractions, tu vas bientôt accoucher. Et ce qui va sortir, il y a de bonnes choses qu'on va faire en Côte d'Ivoire. Je le sais. C'est juste que tu te comprends mieux. Tu comprends pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Ça vous vide. Vous avez des cernes. Fatigué. Parce qu'il y en a parmi vous, vous combattez l'esprit de la personne avec qui vous dormez. Inconsciemment, intuitivement, quand vous vivez avec des gens, vous avez toujours tendance à les guérir. Tu commences à sortir avec un homme pendant que vous dormez là. Tu opères sur lui, chérie, que tu le veux ou pas. Tu opères sur lui. De la même façon que tu lui parles dans la journée. La nuit, tu travailles sur lui. C'est pour ça qu'il y a les combats pour les saisons. Il y a certains hommes que tu rencontres là. On te dit que laisse. Tac, non. Parce que ce n'est pas la saison. Peut-être ton énergie va partir sur tes enfants. Merci, Mawen Williams. Peut-être l'énergie à avoir pour les enfants. Et beaucoup de projets, avant que vous ne les fassiez dans le physique, vous les faites d'abord dans le spirituel. Donc la nuit est importante parce que dans la nuit aussi, vous établissez certaines choses. La nuit est très importante pour vous. Il y en a, vous allez... Quand ça déclenche réellement, hein, avant que tu ne reviennes dans les trucs sophistiqués, c'est comme si tu rentres, tu vas peut-être chercher une maison dans un endroit qui est retiré. Quand je suis dans cette résidence, si j'ai plein d'oiseaux, j'ai la verdure, la mer est à une minute. C'est vraiment derrière la maison. Et... il y a des environnements conducteurs. Bonjour, Germain. Merci, Tracy. Et beaucoup d'entre vous, c'est comme si la nuit aussi, vous partez récupérer vos pouvoirs. Ok, voilà ce qu'on me montre. Il y a quelqu'un ici là, c'est comme si tu avais enterré tes pouvoirs quelque part dans ton ancienne vie. Quand tu t'es incarné dans celle-ci, le temps est arrivé. Et chaque nuit, tu pars reprendre tes armes. Tu pars reprendre tes armes. Et quand tu les récupères, ça te sert d'abord à travailler dans la nuit.
Deuxièmement, la première personne que tu libères d'abord, c'est toi. Dormo, bonsoir. La première personne que tu libères, c'est toi. Et vous devez savoir que vous êtes des personnes que votre énergie, c'est un peu comme si ça va seulement travailler. Ça veut travailler. Like, I need to fix something. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre d'être entouré par les personnes qui ne sont pas bien. Parce que tu vas vouloir les fixer et les arranger. Et quand tu cherches à arranger quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas bon, que lui-même ne veut pas être arrangé, ça entraîne la frustration et tu te vides de ton énergie. C'est pour ça que vous devez toujours chercher ce qui est idéal pour vous pour faire. Pas ce qui est bien, mais ce qui est idéal. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Pas que, oh, ça c'est bien, non, fais non. Non. What am I supposed to do? Si ça bug, je ne sais quoi vous dire ou faire. Tapotez le live. Bon, je vais essayer de déconnecter le wifi. On va voir si ça prend comme ça. OK? Ça bug toujours. Ça bug toujours. Là, on est sur le wifi. On est plus sur le wifi. On est sur les données mobiles. Ça bug. C'est bon ou ça bug? Facebook. Quand je bénis ton offrande. Si seulement vous connaissiez votre puissance. Si vous connaissiez votre puissance. On désire vous montrer votre puissance depuis longtemps. C'est juste que vous n'êtes pas disposé à écouter. Beaucoup d'entre vous. Bon, je remets au wifi et si ça dérange encore. Allez sur Facebook. Facebook, c'est Reine Lumière officielle. Là-bas, ça ne dérange pas. Patient, merci. Allez sur Facebook. Bon, je continue. Ceux qui écouteront, écouteront. On vous a toujours fait croire qu'il y a quelque chose à faire pour devenir. Beaucoup de ce que vous avez à faire, c'est plutôt de vous libérer.
Vous devez vous libérer. Et en tant que choisi, vous devez chercher les éléments de la nature pour vous connecter. Le soleil a une puissance, la lune, l'eau, la terre. Il y a des personnes avec lesquelles vous commencez à collaborer et vous devez arrêter. Je vais arrêter le live. L'œuf se casse pendant ton travail, comment? C'est d'abord quel travail que tu fais. Il y a aussi des parties de votre corps que vous devez, c'est comme si ça va, ce sont des chakras qui sont en train de s'ouvrir. Ça va se manifester un peu plus. Ça va être plus sensible. Il y a même des saisons où vous vous retrouvez, peut-être vous buvez trop de la boisson, peut-être vous mangez beaucoup. C'est aussi certains anges qui s'installent sur vous. Et ces anges-là, parfois, ils ont le caractère de certains de vos ancêtres. Peut-être tu avais un grand-père qui buvait beaucoup. Vous devez absolument ne pas fonctionner avec ce que la population demande. Le nombre de vues, chercher peut-être à imiter, faire ce que tout le monde fait. Et beaucoup d'entre vous, vous devez vous libérer d'abord des prisons dans lesquelles on vous a déposé. Malheureusement, il y en a qui parmi vous, vous devez vous séparer de certaines personnes, peut-être de proches collaborateurs, peut-être un mari,